Bonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui on va se faire un petit shaker, un peu spécial, un peu récup. Voilà, Fifi mange des biscuits, on ne citerait pas la marque, mais qui ont ce couvercle là, vous voyez. Donc je pense que vous reconnaîtrez. Et je vais m'en servir pour faire un shaker, voilà, pour une carte. Donc ça fera comme ça, voilà, à la fin. Donc on va, j'ai pas encore essayé du tout, donc on va essayer ensemble, voir si ça fonctionne, et on verra le résultat. Donc, on va... Alors, il va me falloir, donc, une carte. Voilà. Carte double. Il me faut du papier, donc du cardstock, hein, un genre de cardstock lisse. Voilà. Donc, j'ai pris un bleu aussi. Il va me falloir, que je n'ai pas préparé, comme d'hab... J'espère que je les ai là tout de suite. Non, c'est pas la bonne boîte, bien sûr. Je pense que c'est celle-ci, oui. Donc, tout ce qui peut servir à mettre dans les shakers. Voilà, de la colle. Alors, je pense que je vais utiliser celle-là, c'est de la colle à bijoux. Mais je crois que c'est celle qui collera le mieux. Il faut un crayon, un petit cutter, donc voilà, et on verra après par la suite ce dont j'ai besoin. Alors la première chose que je vais avoir besoin, c'est de marquer le tour du couvercle sur ma carte principale, voilà, ici. Donc je vais d'abord bouger. Pour que vous puissiez bien vous voir. Alors, je vais essayer de voir comment je peux faire. Parce que je suis avec mon téléphone. Voilà. Donc, j'espère que ça ira. Qu'on verra bientôt. Donc, je vais bien prendre le milieu. Et je vais, avec un crayon, faire le dessin. De mon shaker, enfin de mon couvercle. Voilà, je pense que j'ai rien oublié. Donc voilà, on aura donc ça. Donc ça, pour l'instant, je le mets sur le côté, j'en ai pas besoin. Ici, je vais après me servir de mon couvercle, et ça, ce sera ma base pour coller. Donc là, dans mon shaker, je vais commencer à mettre tout ce que j'ai envie de mettre. Donc, on va y mettre... On va essayer de ne pas s'en mettre partout. Là, comme c'est un grand shaker, en plus on va pouvoir s'éclater, s'en mettre plein. Donc là déjà des petits jaunes, mettre des petits colorés. Alors, vous voyez, j'en ai déjà mis à côté. Les colorer.
Le plus difficile, ça va être de mettre la colle sans que la colle touche l'intérieur. Une petite étoile qui se promène. Je vais prendre un petit papier, là, voir que ma colle n'est pas bouchée, non. Et on va mettre ça, la colle, délicatement. J'espère que ça va marcher, hein, parce que je vous dis, ça, je ne l'ai jamais fait. Bien mettre au bord. Si ça déborde sur l'extérieur, c'est pas un problème. Faire attention, c'est que ça n'aille pas à l'intérieur. Voilà. Alors, normalement, j'en ai bien mis partout. Donc celui-là, j'enlève parce qu'il y a de la colle dessus. Et vous voyez, en plus, ça décolore quand il y a de la colle dessus. Alors, hop, délicatement, je récupère mon papier et je vais le coller bien au milieu. Je vais pas le retourner tout de suite. Je vais attendre que ça sèche. J'appuie bien. Voilà. Donc là, je vais attendre que ça sèche et je vais ranger mes paillettes, enfin mes sequins, et on se retrouve tout de suite pour retourner le shaker. À tout de suite. Voilà. Donc, normalement, j'en ai bien mis partout. Donc celui-là, j'enlève parce qu'il y a de la colle dessus. Et vous voyez, en plus, ça décolore quand il y a de la colle dessus. Alors, hop, délicatement, je récupère mon papier et je vais le coller bien au milieu. Je vais pas le retourner tout de suite. Je vais attendre que ça sèche. J'appuie bien. Voilà. Donc là, je vais attendre que ça sèche
Et je vais ranger mes paillettes, enfin mes sequins, et on se retrouve tout de suite pour retourner le shaker. À tout de Alors, suite. Me revoilà. Alors, normalement, c'est collé. Donc, on retourne. Et effectivement, vous voyez, il est bien collé. Bon, j'aurais pu en mettre plus. Hein, vous voyez? J'aurais pu en mettre plus, mais bon. Voilà. Mais, donc, là, maintenant, il faut que je prenne la taille de ma carte. Non, avant, je vais découper ça. Excusez-moi. Alors, on va découper le dessin que j'avais fait dans la carte support. C'est bon. On essaye de ne pas avoir la tremblote. Et voilà. Donc, j'ai ma tête de chat. Ça, vous pouvez le garder hein, pour faire autre chose. Et voilà. Ici, j'ai ma tête de chat. Voilà. Donc, ce qui fait que ma tête de chat rentre bien. Bon, le papier en dessous n'est pas bien droit, mais c'est pas un problème. On va corriger, hein. J'aurais dû faire attention, mais ça, c'est rien. Donc, même si c'est pas droit, c'est rien. Hop, je marque. Là, je vais couper ce qui est en trop pour l'instant. Même si c'est pas droit, pour l'instant, c'est rien. Je vais corriger. Voilà. J'enfile ma petite tête de chat. Voyez, comme ceci. Là, bien sûr que derrière c'est pas beau, bon, c'est pas propre, hein. Donc je marque. Déjà. Alors pourquoi je fais là?
C'est parce que c'est pour pas écraser mon plastique. Mais comme après à l'intérieur, je vais recoller un papier, ce sera bon. Voilà. Ce que je veux, c'est rattraper ce que j'ai pas bien, ce que j'ai pas bien mis droit. Il y a toujours moyen de corriger. Si vous entendez du bruit, c'est rien, c'est Chouchou qui est en train de préparer à manger pour ce soir. Oh, pardon, je vous ai perdu. Oh, alors. Est-ce que je vais savoir remettre mon téléphone? Oui, ne bouge plus. Désolée les filles. Mon tapis est vieux, il est tout gondolé. Il va falloir que je le change aussi un jour. Mais bon, là, c'est pas le moment. Voilà. Donc, vous voyez, j'aurais pu en mettre plus. Mais comme je vais faire de la décoration au-dessus, voilà. Donc maintenant, on va le coller avec mes doubles faces. Hein. Double face, tu es mon ami. Le dernier. Bon. Donc on revient. Un petit peu de colle qui s'est mis, mais ça c'est rien. Voilà, je venais bien mettre. Votre tête de chat. Voilà, et là, elle tient bien. Là, elle ne bougera plus. Derrière, elle est fixée, donc avec ce papier. Et là, on va en remettre un pour cacher. Donc, on va mettre, un joli papier. Alors. Un joli papier dans lequel donc ça c'est plutôt dans les roses, ça non, là il y a un peu de bleu, alors dans celui-là il y a des bleus. Hop. Donc on va le mettre, je vais mettre à l'envers pour faire la marque. Bon, bien,
savoir. Donc, je vais couper. Pas avec le crayon gris, hein. Ça marcherait moins bien. Même ma règle elle est toute morte. Donc je vais compter 1 mm en moins à cause des pliages. Celui-là, j'en ai pas besoin pour l'instant. Je crois qu'il faut compter un tout petit peu moins en bas. Oui, il y a un petit millimètre, même pas en bas. Une petite différence. Presque pas. Ah, bouge pas. J'ai plus rien de droit, ni la règle, ni le tapis. Voilà. Donc, mon ami double face, toujours. Ah, bien sûr, le rouleau est terminé. Je vais aller chercher un rouleau là-bas. Je reviens tout de suite, les filles. Je vais. Voilà, celui-là. Alors j'avais des yeux, vous savez, les yeux qui bougent là, mais pas moyen de remettre la main dessus. Je sais pas. Donc ben, mon chat n'aura pas d'œil, mais c'est rien. Si je les retrouve après, je les rajouterai, mais bon. Il n'y a pas moyen de remettre la main dessus. Ouais, j'ai encore un petit bout qui dépasse. Ça m'énerve. Donc voilà ce qu'il fait à l'intérieur. Vous voyez? Comme ça, on voit plus rien. Donc, on va lui mettre un petit nez.
son petit nez. Oh là là, la colle. On va mettre un petit bâton de colle, ce sera mieux. Hein. Non, mais il n'y en a pas assez. Voilà. Oups, je perds son nez. Alors, il y a un petit point normalement, ouais, sur le couvercle. Donc, c'est bien parce que ça m'indique le mieux. Voilà. Et il y a son petit nez. Je vais mettre un petit nœud rouge après. Mais avant, je vais faire des moustaches. Donc, je pense qu'il va avoir des grosses moustaches quand même. Alors, je vais voir ce que ça donne. Voyons ce que ça donne. Si j'en mets deux de chaque côté, ça me paraît gros. Ça me paraît gros des moustaches comme ça. Vous voyez ? Les moustaches comme ça, c'est gros. Mais je vais juste lui mettre son nœud. Je vais lui mettre son nœud. Dommage que j'ai pas ses yeux. Voilà. Les moustaches, vous voyez, ça ferait vraiment gros. Bon, de toute façon, il faut que je continue à décorer la carte. De toute façon, c'était surtout pour vous montrer le principe du shaker avec le couvercle de la boîte de biscuits pour chat. Voilà. Ce qui m'embête, c'est que j'ai pas trouvé les yeux qui bougent. Ça aurait été beaucoup plus mignon. Là, ils mettent une phrase là-haut. Je retrouve rien, moi, dans mon pièce. C'est une catastrophe. J'arrive pas encore à me repérer dans mon Capharnaüm.
Alors, ne vous inquiétez pas, je suis là. Hop. Alors, on va trouver. On va trouver. On va trouver quoi, mais je ne sais quoi. Ça, c'est quoi? Est-ce qu'il n'y aurait pas un joyeux anniversaire par hasard? Non. Ça, c'est quoi? Good. J'adore quand c'est écrit un specially for you. Ouais, pourquoi pas? Ouais, si j'ai pas autre chose, hein. C'est ça qui m'énerve, c'est que tout est écrit en anglais. Je sais pas. Donc, ça, c'est Noël. Ça c'est Noël aussi. C'est pas pour maintenant. Noël. J'ai pas mal de trucs de Noël en fin de compte. Mais c'est vrai qu'ils font beaucoup de choses sur en anglais. Ça m'énerve un peu. Je sais pas ce que vous en pensez, les filles. Bon, alors, ouais, je vais mettre ça. Spécially for you. Donc spécial pour vous, hein. Voilà. Pour toi. Spécialement pour toi, plutôt. Spécially, je crois que c'est spécialement pour toi. C'est dommage, c'est qu'il n'y a pas de... Qu'il n'y a pas de joyeux anniversaire. Thinking of you. Wonderful friend. Ça doit être merveilleux, ami. Hello, mais là, c'est trop beau. Ça m'énerve. Ça m'énerve. Oui, parce que bon, vous allez... Oh, hello. Oui, un petit hello. Bon, allez. De toute façon, je vous dis, c'était surtout pour vous montrer comment faire le... Le shaker. Donc, hello. Celui-là, je sais pas si... Ouais, j'arrive à le décoller. Là, je vais peut-être mettre autre chose. Ouais, bah, ça ira. Bon, du coup, j'aurais peut-être dû mettre le neuneu en rose. Trop tard, je ne sais plus l'enlever.
Oh, voilà. Alors, je regarde encore une dernière fois ce que je peux rajouter. J'arrive, hein, j'arrive, j'arrive. Vous inquiétez pas, les filles. Et voilà, terminé. Voilà, les filles. Allez, je remets bien mon téléphone. Attention, ça va bouger. Coucou. Donc voilà, la petite carte. Bon, mais vous voyez, j'aurais dû mettre plus de sequins, mais bon, ça va. Et dommage, bon, j'ai pas les yeux. Et les moustaches, vous voyez, seraient vraiment fait, seraient fait trop gros. Oui. Mais il a son petit nez et son petit noneux. Voilà. Bon, c'est pas le style que je fais d'habitude, hein. Mais j'avais envie d'essayer de recycler un peu ce style de, bah, ce couvercle et voir ce qu'on pouvait en faire. Voyez. Donc et à l'intérieur, donc voilà. Mais là, on peut mettre un autre papier. Hein. Voilà. Bah, dites-moi ce que vous en pensez. Bon, je trouve mignon. Bon, il y a des choses à ranger. Hein. Je sais que vous allez le dire, moi je suis d'accord avec vous. Plus de sequins. Bon, j'ai peut-être pas bien choisi aussi le fond de carte. Mais bon, c'était juste pour faire un essai, pour montrer un peu ce qu'on pouvait faire avec. Voilà. Allez, je vous laisse pour aujourd'hui. Je vous fais des gros bisous. Et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures. Bisous, bisous. Bisous. À bientôt. Thank you.